Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ravi encore une fois de plus d'être devant vous après un petit moment où nous étions un peu empêchés à cause des problèmes physiques de la santé. Bien sûr, aussi, nous sommes aussi trempés dans un projet que nous sommes en train de monter ici sur Contact Pro Live. Et justement pour vous annoncer que non, nous évoluons, nous sommes en train de penser, lancer quelque chose de nouveau que je vais taire ici. C'est ça qui fait que à un certain moment, vous allez remarquer que nous ne serons plus tous les jours comme prévu, comme nous le prévoyons. Nous commencerons à espacer, je crois, une ou deux jours parce que nous voulons donner le temps à ce projet-là que nous sommes en train de monter pour l'année prochaine, vers le mois de février ou mars, où nous allons lancer encore quelque chose de nouveau qui va peut-être vous... Nous savons que ça va vous enchanter, toujours dans d'apporter une solution à la République démocratique du Congo. Donc c'est un projet que nous sommes en train de faire, et avec d'autres amis avec qui nous sommes ensemble ici, nous sommes en train de donner, de monter quelque chose. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais vous l'annoncer au moment opportun. Alors, merci pour tous ceux qui m'ont beaucoup appelé pour me demander où j'étais. Bien sûr que, en tout cas, j'étais un peu avec le changement de climat ici à Johannesburg. Je ne me sentais pas vraiment assez en forme pour venir aussi travailler, mais ça va. 100%, tout est bon, ce n'est pas le corona bien sûr, c'est en tout cas, c'était tout simplement les changements climatiques ici. Donc, tozongeli makamuna biso, comme je vous ai dit, nalo bangona lingala, tokobanda lisusu kobanda kosala émission chaque jour, mais je crois que tobando sala ngo 3 ou 4, disons 5 fois par semaine. Et les deux jours autres, tozo pesata wana pour la préparation. Il y a un programme sous autre qu'on va lancer l'année prochaine. Alors, nous sommes dans les préparations techniques à Babilo Kounyoswana. Je crois que beaucoup sepelana et loko autozo lingato sala en Afrique du Sud. Je vous rappelle que nous émettons à partir de l'Afrique du Sud, mais nous parlons de notre pays, notre cher pays, la République démocratique du Congo. Les loto kolobelani ni bandeko. Ma kamboze belé photo lobelalelo. Mais na banzi que toko kende nanu na likambo ya état de siège, parce que état de siège eza ko révéler biso ba makambo susu oyo ezo pesa biso pasi. Mais poto koma wana tolobela nanu na bokonzi oyo ezo kamba mboka. Nous allons parler de notre président de la République avec tout ce qui se passe tout autour de lui, ba scandale nini eza ko sala attitude ya président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi Tokolo Belango vis-à-vis à ba scandale ou ezako salema. Et puis, tolobate, est-ce que ba signe un changement pendant les 3 ans, disons les 2 ans et demi, que président Félix Azali, quels sont les signes qui peuvent convaincre le peuple congolais aujourd'hui, redoutable, sans qu'il y ait taba lobake non? En tout cas, Mboka Oyo ezako tongama ezako kende na bonne direction. Est-ce que nous avons ces signes-là? 3 points wana nde tokosala, tokolobela lelo. Donc, état de siège, entourage à président de la République vis-à-vis des scandales, na ba signe précurseur d'un changement réel. Oyo Congolais, soka vande alobite, na pe sa confiance na président de la République pour na to makambozoya. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous reviendrons tout de suite après pour le développement de nos 3 sujets d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Ituri commande à ne pas tomber. Ça, c'est le rapport de l'armée. Et puis Kinshasa et Dengaliema, Mwalimu. Mwalibu et Sakumbi promettent de détruire les constructions anarchiques. On va sur actualité.cd. L'IGF clôture le contrôle des provinces dans une dizaine de jours. État de siège à Goma,
L'armée appelle notamment les taxis-motos à dénoncer les agents et auteurs de l'insécurité qui influent dans leur rang. Congo profond, Irumu, 8 éléments de la milice FPIC tués par l'armée à Makanyanga. Et puis la RDC à la 9e réunion des réseaux parlementaires africains sur le flux financier illicite et la fiscalité ouverte ce lundi à Dakar. 7 sur 7. 8 miliciens FPIC tués dans une dizaine capturés par l'armée près des commandants. Et puis évaluation de l'état de siège, les auditions se poursuivent ce mercredi au Sénat. On termine par Radio Okapi. Les états généraux des agriculteurs de l'agriculture s'ouvrent ce lundi à Kinshasa. Kindu, la société civile plaide la dotation de la police après l'arrestation de 7 présumés bandits armés. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, Bandeko. L'actualité tourne tout autour. Il y a Makambu Oeza qui est dans le Parlement. Donc, scandale finalement. Ils ont révélé à Makambu à la palissade, à la jeep. On a remarqué finalement que c'était un truc. Zakika qui a monté. Corruption, ils ont continué. Il y a Sony, si quoi. Oeza, il y a Sony. Parce que finalement, Tokolo Bandengeni. Président Lobibo et finalement Bimina Poissakeno Zala qui n'a pas de corruption. Même les députés eux-mêmes commencent à vendre ces jeeps-là. À qui la faute? Eza Kakana, Likambwa, président de la République. Maintenant, Tozobande la Kapena Likambwana Kaka, Otolobaki, prenons le président, la présidence. Ndenge Mokonzi Nabiso Azali Lelo. Ça, c'est mon point de vue, Bandeko. Parce que ma question est belle, oh, Bino Botuna Kingaï. Bato bazako bengangai, bato bazako tunanga balobi mendengeni no lobi. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que peut être le comportement de notre président de la République vis-à-vis de tous ces scandales ici? Bandeko, je vais vous en parler d'un chef, d'un quelqu'un qui arrive dans cet environnement unitariste d'aujourd'hui. Oya kokai kolobakeno, voilà, na yebi problème à Congo, na komi mokonzi. Na komi ko kende nango na direction oyo na kanisa ki nazo rêver mboka na ngai fo koma. Nous posons la question vision ya Félix Tshisekedi ya état de droit wana aza komona yango ndenge nini. Est-ce que c'est une vision ya kolobakaka tozolobakaka bon état de droit état de droit. Est-ce qu'il sait le road map pour arriver à un état de droit? Ça, ce sont les questions que nous nous posons, que nous nous commençons à nous poser maintenant, à voir la situation après les 2 ans et demi au président Azana Bokonzi. On se pose la question finalement, où est-ce qu'il veut amener le pays? Quel est cet état de droit? Azo imaginé en Gondengenine. Est-ce qu'il y avait un plan conçu à Kolobake? Non, il y a un plan Mokonzi. Vision nanga eza état de droit, mais cet état de droit est kozala na ba pilier tel. Implémentation nango na kosala lango na boy. Nous commençons à croire. Et puis tant que mama kamoyo donc to bandi ko croire sikona o alobaki o ebimi sikona poisa tant wa sala ki interview na Top Congo lobby ba tourner ba lobby. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu alobi makamboya? Donc c'était légère à kolobake na okanga ba kacho. Et puis il a dit qu'il ne sait pas ce qui se passe exactement pour Ayako Bongisa, parce qu'il n'y avait que le président Kabila qui connaissait ce qu'il faut faire. Donc lui-même ne connaissait pas. Bande Komboka Oyo, Ezamboka Kopé Sakanaba, il novice de Banovice, c'était. Mboka Oyo, Ezamboka Kongo, Ezamboka. Soko Yena, Ozana, il était à Kosa, la Mboka. Tu ne peux pas arriver à Kosala Mboka Oyo. Je crois que les grands hommes qui ont réussi à Kosala Mboka Oyo Kende Liboso, ezalaki bato bayaki na idée moko fixe balobi to réunifier Mboka. Nous allons prendre l'exemple du maréchal Mobutu qui est arrivé au maréchal Malek, tant accéda qui n'a pouvoir en 65. Il avait une idée et cette idée, il est venu à Sirisi ba rébellion, à Sangisi ba tunez autour de Liboko Moko. Nous sommes partis 32 ans. Malheureusement que justement, bah bien fait à Bilo Kwane Zalaka, mais tant qu'on a posé dans le commis, il fallait qu'on se fie dans le temps et qu'on y.
parce que on ne pouvait pas continuer nana nous a tant ou va réunifier que Congo tant ou va nous avions réussi à ko ya ko tia bato ensemble à koloba que non tata bomoko maintenant c'est là où il fallait ko innover na sans ça ko keneke ya ko entretenir unité nationale wana mais tant ou ya kei lo ko na tué kei esili toi ko zo Kabila. Kabila était venu aussi avec un truc vraiment très bien parce que nous l'avions raconté personnellement. Mais malheureusement, bah ennemi bah élimina qui est, il n'avait pas eu le choix. Le suivant, Joseph Kabila, qui arrive, un novice, quelqu'un qui ne connaît rien. Mais c'est maintenant là où on se pose la question. Le jeune Kabila est arrivé, ce qui n'a 28 ans, a sali 18 ans naïe au pouvoir. A sali 18 ans naïe. 18 ans, on est entretenu par qui? Il était en train d'être étudiant. Il était entouré de qui? Est-ce qu'il avait une vision pour ce pays? Lelo Oto et Tshisekedi, c'est la même chose. Moutoaza koya za koye kola. Tant oza koye kola, okokuta na ba vie routier, okoye bate ni nyango zoke. C'est pour cela que nous disons. Nabatu o baza kolinga kobundela mboka, o baza koloba noto, libisonde to kozwa bokonzi. Ayez un plan préconçu au lobby. Ngaso qui n'a commis président de la République, voici ce que je vais faire, avec qui je ferai. Lelo o tozako constaté nini, tozako constaté que président ayebi makambo azosa, azolo baka état de droit, ayebi état de droit, comment le construire? Ayebi ko construire, il n'a jamais imaginé le roadmap ya ko fik ya ko komisa mboka na état de droit wana. Biloko nyoso eza komeka ese erreur. Ba biloko wana ezali ekokomisa ekobongo ekopesa ka bombongo wana te. Mbongo wana ekoyaka na bato oyo bakoya balobi. Biso soki tokomi ba president. Et ça je le dis même à Fayulu et à tout ce bon monde qui se disent que non, na 2023 nous devons avoir un changement. Nous avons besoin de ce changement. Est-ce que Nakatia va parti politique au Bazakoloba? Koloba? Est-ce qu'il se prépare pour prendre le pouvoir? Ou bien Bamoka Kabakoya Peka Kabakoloba? Non. Biso peto kosala ndenge bino bomande kosala biso, le pays n'avancera pas bandeko. Ça c'était justement pour vous dire que le président de la République actuelle, il est mal parti et il est mal barré à koko kisako pesaba changement Nakatia Mboka na bisoté. Les signes maintenant pour vous dire, pour arriver ça à là-bas. Bandeko, regardez l'autorité même du président de la République. Quand vous aviez déjà consommé ou bien cautionné déjà Makambo à Kabila, Ozo sala na batwana le même personne, tu n'es pas venu avec une idée. Oya ki na idée te. Là, vous allez voir Batouba Djalé, le président de la République, Gazolo Bake, non. Bino soki bozo ya kaka koloba ke bozo ya bokonzi bolo bozo ko proposer te ba solution et c'est là où nous disons l'opposition ne peut pas vous servir comme béquille ba tuo bazana ba solution ya kosili sa ba makambwa ya est ils ne peuvent pas vous dire que non président de la République salabo et d'ailleurs ce qu'ils vous disent vous vous entêtez, vous comiquez que ah bilo bilo quoi na bozo salaté. Preuve en est que le peuple avait donné une issue à sortir à l'état de siège, il y a massacre on a. Le peuple a une solution, mais que le président de la République s'entête. Pourquoi il s'entête? C'est parce que il est accablé par une certaine hégémonie. Bato bazo entouré, basalié prisonnier. Regardez encore le fait, ce qu'on l'a dit, interview à président de la République. Na ONU, depuis donc une semaine au Mobimba. Depuis son discours, vous n'avez pas un président qui a le moyen de sa politique. C'est un président qui n'a pas le pouvoir. Biloko nyoso wana za ki ko répondre à Zakoloba, vous allez comprendre que ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Toza na président moko en carton. Moi, ça c'est selon moi. Le président de la République n'a pas de conviction sur des sujets, tel sujet. Non, il n'a pas de conviction. Vous allez voir, réforme et armée. Il a peur de faire la réforme de l'armée parce que Zoyeba, ce qu'un mec qui a posé la Bobakobomae. Et il est là, Azana vision, Azana président, comme je peux dire, président Kaka. Mais Azana Moutouo, qui a dit que non, il y a un changement. Voilà, tu as dit ça.
Si nous pensons que le président de la République, oh, le Tshisekedi a quoi un changement, non, nous sommes en train de nous tromper. Mais maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes arrivés au bout. Na chemin Oyoyaza Nakati, Aza déjà au bout. Ce n'est pas l'opposition qui viendra lui dire que non, ce qu'il faut faire. Il faudrait que lui-même d'abord, Andima Keno Bandeko, en tout cas, Nga Awa Nasuki, Na Ebil Sousou Likambo Salate. C'est à ce moment-là qu'on peut l'aider. Mais tant qu'il va continuer à s'entourer avec les gens qui ne l'aideront pas, à avouer vraiment que non. Mboka owe kozalaka kobongisama na mutu mokote na tribu mokote na nanite. Tant qu'il continuera à s'en tenir à se dire que non, élection kozala, et que les gens continuent toujours na cacophonie, oh, makambo ya mboka na biso kobonga kate. Regardez les scandales qui, chaque jour, ba scandale owe kosila mkolonini. Les scandales continuent à pleuvoir. Même la semaine prochaine, nous allons nous attendre encore à un scandale. Bah, ma cambozo salema na parlement, ezako salema scandale. Ça ne marche pas. Et maintenant, l'opposition qui lève la voix, petit à petit, boza kopé sa opposition ana, mwanzela, yakobare bino, route na 2023. Et l'opposition, en faisant toutes ces histoires que vous avez que ça va marcher, vous avez que ça va boire, vous avez que... Et puis, ce sont ceux-mêmes gens qui sont en train de préparer politiquement, ça c'est selon moi. En tout cas, nous battons l'Assemblée nationale, oh Babati, oh Mboso, ce sont eux qui sont en train de préparer un échec puissant, il y a le président Tshisekedi. Parce qu'arrivé à un certain moment, ceux qui t'ont suivi, ceux qui t'ont commis dans l'anité, dans... Donc comme il y a 2022, et là, comment ça va se salémater? Et là, on a un peu de saléma. Il faut remettre le pouvoir. Le pouvoir, il faut que le peuple congolais, à la base, puisse à sentir que non, et là, il y a un peu de saléma. Et ça, il y a un peu de saléma. Non, il y a un peu de saléma. On est en train de mentir au président de la République que, non, en faisant miroiter. Hein? Bah, projet Mokono, Chileje, Lutoko, Tonga, Balabala, boy. Ce n'est pas ça le pays. Le pays, Ezako Senga, restructuration, les réformes intersectent vraiment en Mboka pour changer Bandako, Komonana. Avec ce qu'il y a, vous entretenez la corruption. Yo kan ici que vous entretenir corruption, ne bato na seba kosila, corruption kosila. Déjà au Parlement, corruption est à Kosalema. Vous pensez que nous avons une régie financière corruption et Kosila. Même à temps où tient IGF faisant à Mino Andengenini, corruption et Kosila, pendant que vous-même vous êtes en train de le pratiquer, Kosila Kate. Et donc là, nous allons revenir à un cercle vicieux au Tozo Kokakobima Koutouté. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est de chambarder les choses, remettre le pouvoir, la responsabilité au peuple congolais, que le peuple congolais soit devant le peuple, devant ses propres responsabilités. Et nous avions donné une piste, piste Zanini,
piste za ko réorganiser ma base, c'est tout. Yemisa ma base, comment vous allez vous organiser, il y a un moyen de le faire. Regardez ce qui est en train de se faire au nord Kivu. Bozo que ne volobi que non. État de siège, oh, tu vas collaborer, La solution de ce pays, il y a un massacre, est globale. Quand nous disons que la solution est globale, nous entendons quoi? Nous entendons la réorganisation du pays à la base. Structure Mobimba Mbo Kanabiso. Annoncer un chronogramme, annoncer le changement en disant Bandeko, na modèle tozo kende to ekosimbate ata to sali boye, tozako aider Mbo Kanabiso. Nous sommes pas en train de nous aider. Il faut me montrer que yamana na loba tam souba discours oyo. On entretient des choses qui nous savons que ekosimbate. Même IGF oyo tozo tia awa ekosimbi sa corruption te. Tozo meka korelever nani o mibato ba entreprise tout ça. Ça ne collera pas avec le système actuel. Il faut réfléchir en donnant au peuple ya koloba. Bon kanabiso eza parce que congolais a responsable te devant ses propres responsabilités. Alors, organisez-vous pour que ton banda ko commande et loko ya sika oyo et kotia peuple abanda ko contrôler à partir même à quartier. Que les chefs du quartier soient que Congolais à la impliquer la gestion au pays. Gestion au pays à la sous-souter na maboko ya bantu moko boye. Non, que le président de la République azala na bande na ye. Il faut que le peuple à la base puisse commencer à réfléchir. Yonde mutoko sala eloko moko projet koloba bandeko. Ponto sili sa makambo nyoso. Pour que on attire bandako sala malamu. Pour que la restructuration doit se commencer à la base toko bandako sala ndeni. Ba biloko nyoso même dans les entreprises paraétatiques. Likambo oya koloba ke non. Bah, administrateur bazana pouvoir mingité sur même les administrateurs. Ça doit changer. Comment est-ce que profil à député faut la définir comment? Donner la possibilité à la base pour que base bas solo là. Tobanda, c'est pour cela que nous disons nous avons besoin d'une nouvelle écriture de la Constitution. Et c'est là, ayez le courage de l'annoncer. Il y a Kolobaba réforme na biso eza structurelle, il y a pays ba réforme zali que nous allons rétrocéder le pouvoir au peuple congolais en commençant par l'identification du peuple congolais. Bandeko, tout ce qu'on peut imaginer, ma projet, sûr que ma projet, na mboka oba tu bayoka na kate, eko simba kate, kitoko wana boko sala kuna vilo wana, na batu nini oba zo yoka na te. Kimia ezate. Je suis en moka, il faut que batuba yeba que non. Restructuration en moka, to bandela ango na base à réorganiser peuple congolais, na base na ba territoire. C'est pour cela que nous sommes dit, dans les 145 territoires, proclamer une nouvelle Congo. Proclamer une nouvelle Congo, mais batou, pour réécrire la constitution à Sika. Babiloko ba scandale, babiloko ekosi la kate. Tant que tu touches dans nos structures, Mobimba Mboka te. Et qu'aussi la kate. Le peuple congolais sait que même Azaz gouverneur, Ata Bouki Mobeko Awa, Batouba Kobengane, Assemblée provinciale et Kobenganae, Akoyana Kinshasa Bakolobano, to réhabilité. C'est ça le problème qui est que nous sommes en train de nous dire il faut combattre. Alors nous allons nous arrêter là aujourd'hui. En espérant que les gens vont commencer toujours à nous suivre. En tout cas, Bandeko, bon s'abonner, belé, continuez à vous abonner sur notre chaîne. Nous sommes là, nous ne sommes pas limités, tous alliés de mon côté, tous alliés, mais tous à quoi annoncer que non, pas projet, nous soutenons tous à quoi pèse un gros temps. Parce qu'il y a beaucoup à faire pour que le projet en 2022. Et tout est l'émission. Il faut que nous donnons ça beaucoup de temps. Donc,
nous allons commencer à venir tout simplement, je crois, maximum, c'est 4 fois par semaine. Donc, les 2-3 jours, on a consacré à moi, na makamususu o tozoko ekozala kaka zakaka na nani moko na projet na biso boko mona ngo wawa ezali loko moko nous pensons que ezali kitoko. Voilà, continuez à vous abonner comme je vous disais, partagez nos émissions. Si vous avez un avis contraire, appelez-moi, laissez-moi un message, on en discute et tout ça c'est le Congo qui gagne. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.